Nos courts chemins se sont croisés, le temps d'un vif éclair d'été. Et puis nos mots se sont chassés, chassés, croisés, de mots croisés. On n'ose pas se le dire quand on le pense, qu'on s'aime, on garde ses distances. Faut pas que ça se voie autant des mois, sinon mais qu'est-ce qu'il penserait de moi? Je lui dis que je l'aime, il m'entend pas. Lui, il m'adore, je suis dehors. Et tous ces petits malentendus finissent par s'écrire qu'on s'aime plus. On n'a pas la même définition du verbe aimer avec passion. Alors on se retrouve cœur croisé, une case en moins et mots croisés. Bon, alors Caroline, dis-moi, tu as eu quand tes premières règles? Oh, il n'y a pas longtemps. Ah bon? Il y a 2-3 mois. Ah bon? Je n'étais pas très, très en avance sur ce coup-là. Et toi? Moi, je ne les ai pas encore eues. Oh, tu j'attends. Verras, c'est vachement. Ah bon? J'ai les seins qui poussent, mais je n'ai pas encore eu mes premières règles. Tu as remarqué. Alors dis-moi, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui. Qu'est-ce que tu as fait depuis 10 ans? Bah, j'ai fait plein de trucs. Ouais. J'ai fait un peu de théâtre, un peu de cinéma, un peu de télé. Me quoi, me raconte sur un autre ton Mets sur la table. Tu veux savoir ce que j'ai fait au théâtre, au cinéma? Partout, quand tu étais vendeuse chez Kenzo, quand tu étais. Bah, vendeuse chez Kenzo, c'est. Relations publiques pour les bains de douche, tout, quoi. Oui, relations publiques pour les bains de douche, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré Pourquoi? Un mois et demi. Bah, parce que c'est une catastrophe, il paraît, non? C'est pas mon truc. Non, c'était pas une catastrophe. La fête d'ouverture était assez rigolote, ouais. Assez gaie. C'est-à-dire, c'était comme dans Playtime. La peinture était passée, j'avais des dames très chic, comme ça, dans des robes qu'elles avaient empruntées, en plus sûrement qu'elles n'avaient pas payées, qui se mettaient contre les murs et qui repartaient avec la peinture dans le dos et tout. C'était vachement bien, ça. C'est très cool. Ça, c'était non, la fête était relations publiques. Voilà. Quand j'étais vendeuse, j'ai pas eu d'histoire particulière. Non. C'était. Puis j'étais vendeuse comme ça, genre à mi-temps, pour faire des cours de théâtre, et puis pour croûter de temps en temps, parce que actrice, pour dire, mais ça rapporte pas tous les jours. Après, t'as fait quoi? T'as fait du théâtre? Avant, j'ai fait un peu de cinéma. J'ai joué dans un film qui s'appelait Flamme d'Adolf Arieta, qui était comme ça un peu un film culte il y a 10 ans. J'étais un film de culte, donc. Et puis des petits rôles dans des grands films, des grands rôles dans les courts-métrages, enfin plein de choses. J'ai fait de la télé, j'ai présenté une émission qui s'appelait De A à Z. C'était quoi? C'était musique, bande dessinée, cinéma. Alors, sur quelle chaîne? Sur TF1. Ah bon? Voilà. Avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Thévenet, et puis on voulait faire un peu des gags, quoi, mais c'était pas toujours très réussi. Des fois c'était bien, mais c'était. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'était bien pour apprendre la télé, parce que la télé, c'est pas évident. Enfin, faut s'y faire. T'as fait des chansons? J'ai fait des chansons. J'ai fait un premier album qui s'appelait Piranha, j'ai dû en vendre 3, peut-être 4, je sais plus bien. Hein, ça n'a pas trop marché. Et puis après, j'ai fait un autre disque qui s'appelait C'est la Watt. Et puis, ça a mieux marché. T'as gagné beaucoup d'argent? Non. Oh, pourquoi non? Mais je t'assure, je suis vachement déçue. Ah, bah, je pensais que j'allais faire encore. Moi aussi, je pensais que je serais milliardaire. Pourquoi? Bon, pour plein de raisons, parce que. Bon, je suis co-auteur sur la chanson. Bah oui, c'est quand même toi qui as fait les paroles, non? Co-auteur, mon pote. Ouais. Donc, tu vois, déjà, il faut diviser en deux un truc que tu as divisé en deux, que tu as déjà divisé en deux. Donc, il te reste un quart du tiers. Voilà. Donc, ça fait pas énorme. Donc, en fait, ça fait pas lourd du tout. Mais ça va. Européennement ou mondialement célèbre. Ouais, ça fait carte de visite quand même. Ouais. Hein, je m'en plains pas. On t'appelle, c'est la Watt. On t'appelle la Watt. On m'appelle la Watt, ouais. C'est pas ce qu'il y a de mieux, ça. Oh. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre parce que les gens, ils m'assimilent vraiment à la chanson. Mais je crois qu'en même temps, ils m'assimilent à la chanson et puis ils ont reconnu que j'étais pas que la chanson, quoi. Que je racontais d'autres trucs et que j'existais en dehors de ça. Ça rend fou, le succès. Dites-moi. Ça change plein de choses. Ça change la vie. On se met à bosser alors qu'avant, on bossait pas. On commence à gagner un peu d'argent alors qu'avant on n'avait pas une thune. Ça change vachement les rapports avec les gens. C'est pas tellement. Enfin bon, on change soi,
forcément, puisque finalement on réalise ce qu'on a toujours voulu réaliser, donc on est plus content. Et puis les gens, ils ont une attitude différente, ils te renvoient un truc différent aussi. Je veux dire, le coup de la grosse tête, moi j'ai pas la grosse tête, j'en ai rien. C'est les gens qui l'ont pour toi. J'en ai rien à foutre. C'est pas que les gens ils l'ont pour moi, mais les gens ils te regardent différemment. Même mon père et ma mère, ils me voient et. Ils sont vachement contents, ils sont fiers, mais ils me voient et par-dessus, il y a les images comme ça de la télé, de la radio, de la presse qui sont comme ça en surimpression. Donc même pour eux, tu deviens quand même quelqu'un de public, même avec les gens les plus intimes. C'est vrai, quand tu étais petite, tu étais complexée à cause de ta bouche. Ouais. Je parlais comme ça, et je rigolais comme ça, j'avais des cols roulés, j'étais tout le temps comme ça. Ah bon? Ouais. Et ça t'a passé quand? Pourtant, elle a rien, ma bouche. Le complexe, rien du tout. Ça t'a passé quand, le complexe? Ça m'a passé il y a quelques temps. Alors, franchement, j'y pense plus du tout. Depuis combien de temps? Des années. T'as fait de la rééducation? J'ai essayé la rééducation. J'avais été voir un monsieur qui faisait la chirurgie esthétique, qui m'avait expliqué qu'il me prendrait un muscle du doigt de pied pour me mettre la radio. Et au doigt de pied, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Le doigt de pied, alors bon, j'aurais boité un peu, mais j'avais la gueule normale. J'ai préféré marcher normalement, si vous voulez. C'est comme le costume de Fernand Reynaud. Voilà. Il faut se tenir comme ça pour qu'il vous aille bien. Maintenant, c'est fini tout ça. Oui, puis je me suis fait, puis les autres, ils sont faits, puis c'est comme ça. Hein. Et c'était quoi l'autre question? Non, c'était ça. Ah, déjà. Se sont croisés, le temps d'un vif éclair d'été, et puis nos mots se sont chassés, croisés, de mots croisés. On n'a pas la même définition du verbe aimer avec passion, alors on se retrouve cœur croisé, une case en moins et mots croisés.